بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وشرف وكرم وبارك وعظم اللهم انا نستهديك لارشد امرنا وزدنا علما يرفعنا اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اما بعد ننتقل الان, إن شاء الله تعالى, في كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رضي الله تعالى عنه إلى فصل جديد، ألا وهو فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. Nous الآن إن شاء الله تعالى, dans le livre تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رضي الله تعالى عنه, à un chapitre. Et il s'agit du chapitre concernant Les comportements du prophète, عليه الصلاة والسلام فقال رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. وكان أحسن الناس خلقا وخلقا. لو prophète عليه الصلاة والسلام durant رمضان. إي رمضان الكريم. que le prophète, alayhi était le plus généreux. Et le reste de l'année, toujours était-il le plus généreux des gens, de manière générale. Il était le meilleur des gens par ses traits physiques et son comportement. « Khulqan wa khuluqa »« Aux mains les plus douces »« Aliyanahum kaffa »« Wa atyabahum riha »« Et à l'odeur la plus délicate » صلى الله تعالى عليه وسلم وأكملهم حجا وأحسنهم عشرة Le prophète عليه الصلاة والسلام était celui qui avait le pouvoir de persuasion le plus fort أكملهم حجا يعني حجة وأحسنهم عشرة يعني كان الناس يفرحون كثيرا Il était celui dont la compagnie était la plus agréable. Les gens appréciaient énormément passer du temps avec le prophète, عليه الصلاة والسلام. Wa kana an-nabiyyu عليه الصلاة والسلام a'lamahum billahi wa ashaddahum lillahi khashyah. Qala عليه الصلاة والسلام: Ana a'lamukum billahi wa akhshaakum lah » Le prophète, paix et salut était celui qui avait le plus de connaissances s'agissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était le plus savant des gens au sujet d'Allah. Il était de même le plus craintif d'Allah en conséquence de cela. Faman kana lahu 'ilmun lillahi subhanahu wa ta'ala kadhalika yattabi'uhu at-taqwa almunasabatu li'dhalika al'ilm billahi ta'ala.

وكان كما اخبر به امنا عائشه رضي الله تعالى عنه خلقه القران كان خلقه القران حين سئلت في اخلاقه صلى الله عليه وسلم comme nous apprend notre mere Aïcha qu'Allah la le comportement du prophète عليه الصلاه والسلام était le Coran. quand elle fut interrogée c'est ce qu'elle répondit Son comportement était le Qur'an. Et il était le plus modeste des gens, s'acquittant des besoins de ses proches. Et il libérait de la place pour ses invités, il honorait ses invités. Et jamais ne lui demanda-t-on quelque chose à quoi il répondit ⁇ Non ⁇

de participer à une tâche commune, une tâche conjugale ou une tâche touchant les affaires de la maison, eh bien, il s'adonnait à cela. Il réparait lui-même sa sandale, il recousait une partie d'étoffe, il réparait un habit lui appartenant ou appartenant à autre que lui. Si quelqu'un avait besoin de lui, il se rendait à l'endroit demandé. De même que, de par sa modestie, il ne s'opposait pas à la manière, parfois, quelque peu, manquant de convenance ou brutale venant de certains compagnons qui le tiraient par ses vêtements. Au lieu de lui demander de venir poliment, certains compagnons, notamment de parmi les Bédouins, s'approchaient brusquement du prophète et le tiraient par ses habits-là. Eh bien, le prophète ne se détournait pas de ce compagnon-là, il ne faisait pas un geste brusque de refus et il ne détournait pas son regard ni son buste, mais bien au contraire, il faisait preuve de modestie et honorait la demande de ce compagnon-là comme nous l'avions dit le prophète والسلام, honorait ses invités au sens que à chaque fois que ses invités demandaient l'hospitalité eh bien le prophète عليه والسلام, accordait cette hospitalité là وَكَانَ el الْكَلَامَ amarahu et il faisait preuve d'un discours d'une discussion légère et facile avec eux il avait une parole douce et un propos léger avec ses invités. Il ne les surchargeait pas de choses qui n'étaient pas de leur ressort. <tout> Jamais ne demanda-t-on au prophète quelque chose à quoi il répondit non. Un service auquel il répondit non. Ceci n'arrivait pas du prophète. <tout> <tout> Sa maîtrise de soi était plus imposante que tout autre. Son Hilm, son Hilm était le plus grand de tous les gens qui vivaient avec lui et de tous les gens jusqu'à la fin des temps. wa <tout> le Hilm, Le Hilm que l'on peut traduire par indulgence, Ceci désigne la capacité de l'esclave à maintenir sa propre âme en cas de colère. Maintenir sa propre personne, son égo, en cas de colère. Le prophète, il n'y a pas de doute que en cas de colère, il se contenait lui-même. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من العذراء في خدرها وفات عليه الصلاة والسلام sa pudeur était plus grande qu'une jeune fille vierge derrière son voile سبحانه وتعالى كان إذا خجل يحمر وجهه. Le prophète, عليه الصلاة والسلام quand إلته touched par la pudeur eh bien son visage rougissait والقريب والبعيد والقوي والضعيف كانوا عنده في الحق سواء صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كان بحرا من الصبر على الناس وكان نهرا من الحلم على نفسه صلى الله عليه وسلم le prophète pour lui le proche et l'éloigné le fort et le faible étaient tous égaux ils étaient tous égaux en droit à ses yeux alayhi salatu wa salam fal haqq haqqun wa bin nisbati li husni sahabati kana la yaltafit ila al ghana aw al aqrab aw al ashja' bal kulluhum 'indahu sawa sallallahu alayhi wa sallam le proche et l'éloigné, le fort et le faible, tous étaient égaux en droit à ses yeux. Le prophète alayhi ne privilégiait pas par sa bonne compagnie celui qui était le plus riche ou celui qui était le plus proche de lui ou celui qui était le plus courageux. « Sallallahu ta'ala alayhi wa ala wa sahabatihi wa man bi wa واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم واحسن الله تعالى اليكم